Je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Moi, je la supporte depuis 3 ans, je veux dire. J'en peux plus, c'est plus possible. Incroyable post-croix. Allez, on y va. Huche. C'est qui prennent la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilles et des travaux pour faire passer le métro. Et on est fondu notre chanson. Hein. Oui. Ah, si on fait l'Eurovision, on gagne, hein, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ah, oui, les amis, il y a des femmes. Dans les hommes, c'est le même. Bonjour. Julie de Rapa, elle est là. On a pas dit, tu t'en veux. Dans la rue, et il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc assez contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. Mais c'est là, si, là, là, je t'ai dit qu'à l'heure. Je t'en fais, non, attends, viens là, Alan, Alan. Philippe, des photos. Bonsoir. Mais écoutez, ça y est, oui. La rencontre, c'était il y a 9 mois. Parce que regardez, elle est née. Voilà, c'est une fille. Elle ressemble à qui? Elle ressemble d'abord à sa maman. Voilà, regardez, c'est mon heureux événement. Elle vient de naître. Je suis la maman la plus vieille du monde. Le papa, je ne sais pas comme Rachida Dati, moi je connais le papa parce que en plus ils sont deux. Vous voyez, ils sont là. J'ai deux papas parce qu'ils se sont mis à deux parce qu'il y avait beaucoup de travail. Voilà. Ils ont fait des recherches. Ils y sont allés chercher, ouais. J'avais du mal à trouver. Ouais. Je vous les présente, c'est oui. Voilà. Alors c'est Antoine, le premier papa, et Alain, le deuxième papa. Voilà. On a fait ça à trois. Ouais, voilà. Enfin à Paris, mais à 3 aussi, voilà. Et voilà, elle est née, elle est formidable. Entre les quatre, les bras, comme si je rendais pour la dernière fois. Puis je chante avec cette voix-là, comme diront les journaux qu'on ne remplacera pas. Je souris avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à moi et que vous aimez tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Laurence a donné un petit coup de main. Laurence, viens Laurence. Voilà, viens Laurence. Laurence a donné un petit coup de main. C'est l'éducation la plus difficile. Bertrand a donné un coup de main. J'étais vachement bien de vous. Voilà, Bertrand. Voilà, ah, voilà. Bon. Assurez une grande famille, les tontons, les tatas. Et Olivier. Olivier. Vous voyez, elle est née de toute cette famille formidable. Vous voyez. Nous sommes une famille formidable. C'est que de l'amour. Voilà, c'est que de l'amour. Voilà. Alors maintenant, il faut la faire grandir. Ça, c'est vous. Hein. Vous avez du boulot. Il faut la faire grandir. Hein. Voilà. T'es content, Bertrand? Oh, ben, je suis très, très content. Voilà, très, ouais. Très, bon, d'accord. Très heureux. Oui, voilà. Ah, c'est beau. Hein. Nous v'là. Très bien. Elle est en train de faire son cirque là. Tout le monde l'aime. Elle aime tout le monde. C'est une chanteuse populaire, généreuse, gentille avec tout le monde. Elle va dire que des conneries. Enfin, moi, je subis ça depuis 3 ans. Point virgule est là ce soir. Enfin bon, le tracteur du point virgule. Bon, c'est un spectacle agricole. Où sont-ils, nos héros? Ah non, mais c'est une femme très, entretenue. Ah. C'est parce qu'il y a Britney Spears qui sort de son concert, qui vient me voir. Je vais vous laisser, parce que Britney m'attend. Au revoir. On raconte que vous buvez que de l'eau, c'est vrai? Bien sûr, je bois de l'eau, c'est super.
Même le vin, c'est de l'eau, hein, quelque part. De toute façon, on est fait d'eau. Hein. C'est pas que de l'eau. On va arrêter. Oui. Ah, c'est terminé. Je vous laisse avec le pianiste. Au revoir. Allez, merci. Bien. 3 ans, c'est ça. 3 ans déjà. Oui, ça paraît énorme. Ben, c'est très long, mais je suis très bien payé, donc. Très autoritaire. Très autoritaire. Voire même parfait. C'est la rumeur. Est-ce que c'est une rumeur ou une réalité? Ouais, mais il y a des fois j'aime bien. J'aime bien. C'est, ouais, oui, c'est. Des fois ça peut être agréable aussi. Hein. Enfin, c'est... Alors, donc oui, alors il y a plus de questions. Ça tourne, mais il y a plus de questions. Parler d'une rencontre, d'une histoire d'amour. Je suis assez fier en fait d'avoir participé au grand comeback d'Yvette Leblair. J'étais là en fait à sa renaissance. Et donc oui, pour moi ça sera vraiment, ça restera dans ma carrière ma grande fierté, c'est d'avoir été présent pour redonner confiance à Yvette et lui faire comprendre qu'elle pouvait revenir sur scène. D'accord. J'ai beaucoup connu les micros de trottoir, je connais. Les micros moins, mais les trottoirs beaucoup. Oui, alors vas-y. Bonsoir Yvette Leclerc. Bonsoir. Alors ce soir c'est un peu votre soirée, c'est ma soirée. Oui, c'est ça, la revue. Oui, pardon. Donc c'est la sortie nationale de votre DVD. Voilà, dans toutes les boutiques importantes. Voilà, alors quelles sont vos premières impressions cette soirée? Écoutez, c'est vraiment, c'est formidable, parce que tous ces gens qui viennent pour moi ce soir, attendez, il y a un camion qui passe. Allez-y, dépêchez-vous. Non, je... Oui, puis alors, d'être quand même de la rue avant la Starac, et tout le monde est là pour moi, quoi. Et bonjour, oui, ça va, oui. Bon, c'est formidable, une soirée magnifique, merveilleuse, oui. Et quelque part, maintenant, c'est moi la plus vieille au niveau des gens connus. C'est ça qui est bien. Vous êtes devenue donc la doyenne? Je suis la doyenne des artistes français. Alors, Yvette Leblair, en conclusion, vous êtes l'éternel retour, on peut dire. Oui, alors, c'est très joli, c'est l'éternel retour, Michel Morgan, enfin, c'est formidable, c'est des référents, bien sûr. Donc vous reviendrez? Oh ben, je reviendrai, je suis là, je suis revenu, maintenant c'est pas pour partir, hein. Je suis là pour vous, et voilà, et de toute façon, je pars, mais je reviens toujours, voilà, Merci Yvette Leblair, nous étions donc en direct du Sévigné pour cette soirée exceptionnelle à la sortie du DVD. Yvette Leclerc. Le décor formidable, j'adore, oui. Merci, voilà. Merci Yvette. Merci beaucoup, au revoir, je reviendrai. Je reviendrai. Mais on s'en fout complètement. L'important, c'est que je chante. Je mange des bananes, seulement des bananes. Comme les doigts cassent le pont, ça me donne des frissons dans le dos. J'en suis marteau. Je suis né dans le faubourg Saint. Et il y a un trou dans mon cœur. Vous pourrez donc assez contempler le cœur de ma rue et le trou de mon cœur.